Est-ce que c'est un niveau complet ou est-ce que c'est juste le boss? Est-ce que je veux une réponse? Oui, en fait, c'était pour vous la question. C'est un boss en plusieurs phases. Ah, c'est le boss directement. Et il me faut mes armes. Ok. Je regarde par rapport aux âmes tout court en fait, parce qu'il y a aussi des âmes à récupérer. Mais ça a l'air chiant. S'il faut, tu peux tenter pour voir à quoi ça ressemble. Je peux tenter une fois, ouais, comme tu dis. Juste pour voir. Après, je couperai et j'irai farmer de l'argent pour récupérer mes armes. Et on se retrouvera pour la dernière partie du stream. Plus tard. Donc pas plus tard dans la nuit, bien sûr, mais plus tard demain ou lundi, c'est férié. On va voir. Comme ça sera boss final sur le dernier stream. Et on verra pour ces histoires des âmes perdues. Pour les faire correctement, comme ça au moins on verra. Si ça se trouve, tu vas réussir. Ouais, enfin, faut pas exagérer non plus. On voit comment je suis doué depuis le début. Bon, allez, on y va. Zarok est peut-être pris au piège, mais il doit lui rester un ou deux tours dans son savoir 3. Pourquoi pris au piège? Oui, t'arrives, t'es à la fontaine. Donc ça, c'est mon train. Il y a un gros cristal là-haut. Et je suppose que c'est un boss avec une princesse magnifique vu qu'il y a une tête de mort devant, bien sûr, tout à fait. Tête de mort, c'est boss final. Ah, les clichés du jeu vidéo. Bon. Nous ne te croyons pas capable de parvenir jusqu'ici. La rencontre finale avec Zarok t'attend à partir de maintenant. Il s'est entouré de ses gardes du corps surnaturels. Mais tu peux encore faire pencher la balance en ta faveur en appelant les âmes perdues rassemblées dans ton calice. Place-le sur le bouclier au centre de l'arène. Que la chance soit avec toi, Daniel Fortesque. Donc les âmes perdues, en fait, c'est même pas forcément un objectif secondaire, c'est peut-être un objectif principal. Les âmes perdues... Donc c'est ça, là. Bon, il n'y a pas que ces trois, parce que je suppose qu'il y en a à chaque niveau, en fait. Il va falloir refaire tous les niveaux pour aller les chercher. Oh, merde. Après, peut-être qu'on peut battre le boss juste... un bouclier en argent, merci. Juste avec ça, mais ça m'étonnerait, quoi. On n'a jamais vraiment utilisé la lance. On a une fontaine là, mais bon, celle-là elle est pas très, très utile. Ah, c'est peut-être juste les âmes des 20 des. Par rapport aux 20 calices. C'est peut-être juste ça. Je n'ai pas le calice sur moi, non? Eh merde, du coup je me suis trompé de bouton. Alors avant de faire quoi que ce soit, caméra. Place-toi
Là, se localise au centre de l'arène, pas de suite. Ok. Allez, je suppose que Zarok va être au-dessus là. Voilà. Sœur Fortesque, mon vieil ennemi, on se rencontre à nouveau. Je vois qu'un siècle passé à nourrir les vers n'a rien fait pour calmer ta naïve obsession de libérer Galomère. Paré à l'attaque, guerrier ? Je veux voir les chiens gratter la moelle de ses os dans l'heure qui suit. Qu'est-ce que c'est que ça, Fortesque ? Un porte-bonheur ? Vous êtes un petit peu moins habillé que les amis. Hop, nouvelle entrée. De la lecture. Ces squelettes guerriers d'élite de Zarok ont été formés par Lord Kardok en personne. Nulle arme ne peut les vaincre. Seule l'attaque d'un héros peut venir à bout d'un mal si puissant. Et toi, Sœur Danielle Fortesque, tu n'es pas un héros. Du moins, pas encore. L'attaque d'un héros ? Et je peux pas les battre. Mais techniquement, si, maintenant je suis un héros, je suis au hall... Non ? Hé, j'ai qu'un calice dans les mains, là. J'ai fait quoi ? Ah oui, ça fait rien du tout. Ah. C'est illimité ? Ah non, c'est ma vie à moi ! Fraise, fraise, fraise ! Il en reste qu'un. Reste en vie. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, allez. On va te donner. T'as perdu ton crâne, mais c'est pas grave. Faut lui donner un nom à ce petit là. On va l'appeler je sais pas, un nom d'un combattant qui sert à rien mais qui a quand même du courage et brave. On trouve un nom pour ce petit squelette. Allez. C'est nul comme gameplay. Allez, plus que 3. J'ai plus beaucoup de potions, donc fais vite là. Allez, s'il te plaît, fais-le. Quasi-héros.
J'ai eu un trophée, c'est quasi héros, je sais pas ce que c'est. Allez. S'il te plaît, t'as besoin. J'ai plus de vie, moi. Ouais. Allez. Non. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Encore. Encore un peu. Yes. J'ai plus de vie. J'ai un point de vie. Mais t'as réussi. Oh, une fiole. Merci. Maintenant, on sort. Il y a une fontaine. Tu as toujours eu de la chance au combat, Fortesque. Montre-nous comment tu te défends contre mon champion. Le défunt Lord Cardock. Les individus de ton espèce, ils les croquent comme des cachets de calcium. Ah. Je vous rappelle qu'il me reste un point de vie. Enfin non, j'ai récupéré une fiole, mais... Oh oh. Nouvelle entrée. Un peu de lecture. Le champion de Zarok a livré d'innombrables batailles avec, pour seules armes, un arc à trois cordes, un modeste fléau et une légion de soldats zombies. Il n'est pas du genre commode, mais à sa décharge, il faut dire que dans sa tendre enfance, ses parents lui ont interdit d'accompagner sa sœur à ses leçons de claquettes. Et voilà le résultat. Si on lui avait permis de canaliser toute cette énergie négative grâce à la danse, c'est sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Entre un qui voulait juste revoir son chien et l'autre qui voulait faire des... qui voulait juste danser des claquettes. Voilà, à cause de ça, le monde, bah, il est foutu. Bon, voilà, on a 201 points de vie, on peut pas se régénérer. On a un... Pourquoi j'ai mon bras en arme principale? Est-ce qu'on n'utiliserait pas l'épée magique? L'épée enchantée, plutôt. Parce que l'arc contre un truc de flamme, ça sert à rien. L'arc tout court, non. Un arc magique. Encore faut-il savoir viser. Ça, c'est mort, et ça, on sait pas l'utiliser, donc... Bon, on va voir avec ça. Ah, mais il y a des ennemis! Ok, on va faire le sens inverse. Hey, il a rien pris. Ah, il a bougé. Waouh. Bon, de toute manière, je suis mort. Bon, alors, la phase 1, c'est heal des ennemis, enfin des ennemis des alliés. Mais par contre, j'ai tout bouffé. J'ai toutes mes fioles qui sont parties sur les alliés. Et du coup, le dernier n'a pas fait long feu après. La deuxième partie, c'est ce cheval embrasé qui fait quand même très mal. Je l'ai pas vu venir. Donc, bon. J'ai envie d'essayer juste une dernière fois cette histoire de Calice pour mieux le comprendre, quand même. On a déjà lu ça. Allez-y, les gars. Vous pouvez le faire. J'ai perdu un allié.
Ça y est. Ah, je serai... Ah, trop cool. C'est un... Non, mais non. La chance au combat, Fortesque. Montre-nous comment tu te défends contre mon champion. Le défunt, Lord... Bon, on a compris la phase 1, c'est déjà pas mal. Les individus de ton état... Stop. On va changer d'arme. Ça, c'était pas mal. Une arme secondaire, on va utiliser... J'aime bien l'arbalète quand même. Une, deux... Merde, j'ai pris la troisième en trop. Ah, il s'en fout complet. Bon, c'est pas grave, toi meurs. Attends, il va faire un truc là. Vas-y, tombe. Ok, c'est juste qu'il faut pas être près de lui à ce moment-là. Laurent, je lui ai quasiment pas fait plus de dégâts. Aïe. Et arrête là, t'es pas James Bond ou. Ou un Stormtrooper avec tes piu-piu-piu. Ok. Stop. Bobo. Ah oui, encore plus. Wow. Il en reste un. Et maintenant, il y a ce truc là. Par contre, ce truc là, c'est avec ça. Ok, c'est bon, il est mort. Oh, j'ai quasiment pu. Non, c'est pas grave. Enculé, Simon. Bon, on va retourner au marteau. On recule. Ah, je pouvais mettre un coup de plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Les couteaux, par contre, on va les mettre en arme secondaire. Bon, ils sont tous morts, les yeux. Mais arrête de changer de... C'est pas grave. L'œil là, c'est l'œil là qui me fait chier. Ah, caméra! En fait, la caméra est focus sur Lord Cardock. Et du coup, j'ai du mal à faire tout ce que je voudrais faire. Meurs, meurs, meurs. Ah, j'ai eu un trophée. Ça suffit. J'en ai assez de toi et de ton impertinence. Ah, il se casse. Où est ce sortilège? Ah oui. Qu'est-ce que... Non, pas celui-là. Oh ! Oh non, pas maintenant. Ah, je le tiens. Ah.
Lol. Il y a encore un œil, hein. Personne ne vaincra le puissant Zarok. Prépare-toi à mourir, Fortesque. Nouvelle entrée. Il manque un ennemi quand même. Et les psychiatres s'accordent sur le fait que la forme finale née du désespoir qu'adopte un vil sorcier en fâcheuse posture après la mort de ses sbires en dit long sur ses troubles psychiques. Voyons, que nous révèle donc cette forme au sujet de Zarok ? Je ne suis pas experte, mais s'il ne s'agit pas là d'un cas manifeste de dimorphisme kleptomaniaque, agora paranoïaque, narcissique, alors je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, j'ai deux fioles. Bon, en gros, j'ai trois barres de vie, quoi. Trois barres de vie. Il me manque toujours ma super épée de la mort qui tue. Et on est sur, je pense, la phase finale de Zarok. J'ai les mains qui transpirent. Allez, go. Oh putain. Il est où l'œil? Voilà, c'est bon, on s'est débarrassé de l'œil, il faisait chier. C'est quand qu'on peut te taper en fait? Là? Non. Là? Non plus. Ah là, c'est là qu'on peut taper. J'ai crevé de toute façon. Merde. Stop, on va changer d'arme. J'espère qu'il te... Allez, sois utile. Sois utile, sois utile. Bon bah partie terminée, le point de vie il est même pas passé quoi. Bien. Maintenant que t'es mort, t'as une tenue contre le feu, c'est vrai. C'est vrai que contre ces flammes, ces flammes peuvent... Oh, vous m'avez compris. Je suis insensible aux flammes avec l'armure du dragon. Bon, il nous faut quand même notre épée magique, ça c'est sûr et certain. Donc je vais arrêter le stream là. Et je vous dis juste en off, je vais aller chercher de l'argent pour récupérer mes armes perdues. Et on fera ce combat final la prochaine fois, le prochain stream. Et vous allez me dire, oui, mais ça va être bien court et compagnie. Oui, mais il y a d'autres choses à faire du coup. On va aller, une fois qu'on aura battu Zarok, on va s'occuper de ces choses-là. Voilà. Donc, on va revenir à la carte. Si on y arrive. Voilà. Et je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne soirée. Et on se retrouve très prochainement pour du coup la suite et la fin de Medieval. Walou. A toutes, comme d'hab, suivez Ibasound Studio sur les réseaux, sur Twitch et compagnie. C'est important.